Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 24e, allez je me lance, 24e je crois, épisode de Sons of the Forest saison 2, on se retrouve déjà mercredi. Eh oui, ça fait plaisir, aujourd'hui un épisode quand même bien plus court que le dernier, merci beaucoup pour vos commentaires, surtout regardez devant vous la maison actuellement, à quoi elle ressemble. Oui, je me suis un petit peu amusé en off à continuer la maison malgré tout et voir un petit peu comment faire. Avant toute chose, je voudrais vous montrer cette séquence que j'ai pu enregistrer un petit peu au dernier moment. J'avoue, je me suis chié dessus, regardez. Oui, il y a en fait des monstres qui peuvent venir. Alors, visiblement, comme vous pouvez le constater, ils sont un petit peu buggés. En fait, je ne pense pas qu'ils viennent par un chemin en particulier. Je crois surtout qu'ils tombent de la falaise d'en haut. Je pense qu'ils tombent qu'ils sont un petit peu buggés. Tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, on peut toujours avoir la présence de mutants ici. Donc attention tout de même. Mais en théorie, les gens ne viennent pas par eux-mêmes directement. Donc ça devrait aller, on va voir par la suite. Voilà, donc j'ai un petit peu fait cette construction malgré tout. J'ai regardé un petit peu vos commentaires, même si vous n'aviez pas forcément tous les réponses à mes questions. Et dans tous les cas, j'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que on n'a pas le choix de laisser les fondations comme elles sont, sinon on ne peut pas tout faire tenir. Bref, donc voilà à quoi ça ressemble. Au début, la porte d'entrée était là. Et bon, la maison est donc de base petite, mais ça aurait été beaucoup trop petit. Et ça me plaisait pas, et donc j'ai fait une extension, et donc carrément l'entrée se retrouve ici. Regardez-moi avec ce petit muret en pierre sur le côté. Tu rentres par là tranquillement, t'as une petite fenêtre là. Ok, ça te permet un petit peu de voir, checker par ici. Tu peux t'enfermer bien sûr. Pour le moment tout n'est pas fini. Et donc là voilà la petite maison. Et en fait c'est mignon, c'est cosy parce que ici on a une petite fenêtre, une petite vue bien sympathique. Hop, on peut fermer le volet. Et puis là également avec la grande vue. J'ai pas envie de faire deux étages, ce serait fort dommage. Donc là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je ne peux pas enlever les poutres ici, malheureusement. Sinon, c'est juste pas possible. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. En vrai, ça rend pas trop mal. Du coup, voilà, ça fait une petite maison. C'est cosy. On va la rendre cosy, en tout cas, durant cet épisode. Vraiment, on va faire ça ensemble. Je me suis un petit peu cassé la tête pour la construction. Donc maintenant, j'ai vraiment envie de chiller, pour le coup. Et c'est vraiment ce que je voulais, une maison comme ça. Parce que, vous voyez... tout est à portée de main là au moins. C'est pas gigantesque pour rien. Donc ça va être parfait. Là ici je pense que concrètement il y aura ici les armoires. Et pourquoi pas une cheminée. Je sais pas encore où. On rappelle que c'est assez petit. Après l'avantage aussi avec cette option qu'on est en train de faire, c'est que si on peut pas tout rentrer dans la maison, c'est pas grave, on va pouvoir même faire des constructions ici et là. Alors il y a Nat3878 et Hugo notamment, gros big up à vous deux, qui proposent de faire des cabanes dans les arbres. Eh bah oui, si déjà on a des arbres ici, autant en profiter pour faire des cabanes. Donc ça c'est super sympa. Donc c'est des cabanes préfaites par contre, ça pour le coup on peut pas faire autrement. Ça avait proposé également de faire des cabanes dans les arbres en bas et pour pouvoir les relier avec des tyroliennes. Bon, sincèrement je pense quand même pas que ça va marcher. Je vais être très honnête avec vous, il y a très peu de chances que ça marche. Étant donné que déjà là, je n'arrive pas... Voilà, là, je peux sur le rocher là, vous voyez. Mais c'est beaucoup trop haut là, on se rend pas compte. Mais là, il y a encore je ne sais combien de mètres de vide. Et là, je peux pas atteindre d'arbre. Vous voyez, je peux pas atteindre d'arbre. Et puis même, vous voyez l'arbre en face de moi. Enfin bon, il y en a plusieurs, mais ils sont déjà tellement hauts. Tu tombes d'un arbre, de toute façon, t'es mort. Donc c'est quand même beaucoup trop haut. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On a Elliot d'ailleurs qui proposait de faire une, comme sur Minecraft, une collection d'armures. Ça peut être une bonne idée avec toutes les armures du jeu. Bien que là on a quoi comme armure? On a les armures effrayantes et les armures en os et rien de plus. Pour le moment on n'a rien de plus. Je crois attends, peau d'animal. Ah si, les armures de cuir. On peut faire une armure de cuir. Et attendez juste pour voir. Du tissu là. Ah ouais, alors attendez, on a un troisième type d'armure. Ok, donc là on a déjà trois types d'armure, très bonne idée. Et du coup on va pouvoir exposer les râteliers d'armure ici comme ça, tu vois. Ça peut être une très très bonne idée. Voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Je suis en train de mourir de faim, très bien, c'est bien de me le souligner. Donc on va manger, vous avez vu, il n'y a plus beaucoup de nourriture. Vivement qu'il pleuve d'ailleurs, parce que là ça craint. D'ailleurs, mais attendez, encore mieux, parce que j'ai récupéré de l'eau dans ma casserole. Je vais la faire bouillir pour avoir de l'eau propre. Ça peut être une bonne idée en ce début d'épisode. Hop, voilà. Et puis on a Joanne qui posait une question. Joanne, est-ce que le piolet sert à grimper les falaises comme sur The Forest, où on avait un piolet qui nous permettait d'escalader? Alors malheureusement non les amis, hein. Comme dit, je m'étais un petit peu trompé quand je vous vendais le piolet. C'est pas un piolet, c'est une pioche. C'est pas pareil.
Ça c'est une pioche comme sur Minecraft, c'est pour miner. Donc pour miner, vous savez, les nouveaux minerais qu'il y a dans le jeu. Ni plus ni moins, on peut pas escalader. Un jour il y aura peut-être le piolet, j'espère bien. Ce serait assez sympa. Bref, voilà, n'oubliez pas le pouce bleu les amis, très important pour m'encourager pour la suite de l'aventure. Prochaine mise à jour, la semaine prochaine normalement. Ça va être bien sympa. Bah, ça se trouve, il y aura le piolet. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine mise à jour. Mais croyez-moi, ça risque d'être très sympa. Alors, écoutez les copains. Moi, il y a un truc qui m'embête un peu. Alors, attendez, ce qui est cool aussi, vous avez vu, j'ai déplacé la tyrolienne. Alors, vous voyez, c'est une petite maison. Donc, au moins, on peut escalader facilement. Là, ici, on pourra mettre les panneaux solaires sans aucun problème. C'est juste parfait. Et ici, on a l'accès à la tyrolienne. Donc, c'est vraiment nice. Voilà, j'ai mis le petit truc là. Ce qui m'embête un peu. C'est que la maison en soi, de dehors, dedans ça va être très bien, mais de dehors c'est pas très sexy. Et ça c'est chiant, parce que là il n'y a pas de fenêtre. Mais en même temps je compte pas en mettre, parce que je vais mettre les armoires là. Alors de ce côté là ça va. Ça va franchement. Mais là c'est vrai que c'est pas très sexy. Alors on verra si on met, un jardin, si on met je sais pas quoi. Peut-être que ça changera la donne, qui sait. Donc je sais pas. Bon, on va boire. Hop, la casserole elle est là. On va boire parce qu'il fait soif mine de rien. Et là on est pas mal. On va aller voir Kelvin là-haut. Virginia elle est encore là-haut ou pas? Oui, Virginia est encore là-haut, ça c'est bon. Forcément ils ne viennent pas ici, donc c'est bien dommage. Hop. On va aller voir pour récupérer des trucs. Ok. Ça je voulais vraiment faire ça avec vous les amis. Et je voulais vraiment pas faire ça en off. Étant donné que j'ai déjà fait la construction en off, c'est déjà pas mal. Ça va être un immense terrain de jeu ici hein. Alors là pour le coup je me pose la question. Vous voyez ce truc là, la machine à upgrade. Ici elle est très bien parce qu'elle va permettre d'attirer les méchants ici. Donc je serai tranquille en bas. Mais de l'autre côté je me demande, si je la mets en bas, les méchants ils pourront pas venir. Et en fait je sais pas, j'ai peur. J'ai peur d'essayer parce que si ça je la prends, que je la mets en bas et que j'attire tous les monstres et qu'ils se retrouvent bloqués en bas et que moi je suis dans le caca, c'est compliqué. Donc je préfère largement laisser la machine ici, quitte à ce qu'ils viennent tous là et qu'on les fume ici. Ouais, je pense qu'on va quand même plutôt laisser ça là hein. Bon. Alors, est-ce qu'on va pouvoir prendre des trucs ou pas déjà là? Parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal en fait ce que je viens de faire là. Il faudrait que je reconstruise en bas des meubles en fait pour que ce soit plus intelligent. Il faudrait que je construise directement les meubles. Attends, je vais prendre la table. Eh, tu sais quoi? Je vais prendre la table, on va descendre. Alors là, je peux pas prendre la tyrolienne évidemment. Donc on va descendre par mon petit chemin ici. Tranquille. Oui, même là je pourrais construire un petit truc. Je sais pas quoi. Alors quelqu'un avait proposé de faire une tour de guet. Bon, pourquoi pas, après on verra. En vrai on a pas mal de possibilités ici. C'est ça ce que je trouve chouette. Écoute, la table est... S'il y a moyen de la foutre ici mec. Attends. Ouais mais c'est chiant parce que je peux plus me rapprocher. Ça c'est dommage. Ça c'est bon, attends, je la mets là en attendant. Parce que là, le problème, c'est que j'aime bien avoir la vue ici. Bon, après. Alors, j'ai pas mis des volets aussi parce que ça me stressait. Quand t'as les volets, t'as l'icône du loquet devant. Ah, mais il suffit de faire ça. Ok. Bon, bah, on mettra des volets alors, j'ai compris. Attends, on va faire ça tout de suite. Excusez-moi, je pars un petit peu dans tous les sens. J'entends bien. J'entends bien. Bah, écoutez, je vais pouvoir prendre ça. Ça devrait marcher normalement. Ouais, parfait. Voilà. Hop, on a des volets. Il y en a une belle vue. C'est beau ça. Bon, l'hiver va arriver, ça va être terrible hein. L'hiver va arriver, ça va être terrible les copains. Mais bon, est-ce que j'ai les panneaux solaires sur WAM? Oui, j'ai les panneaux solaires sur WAM. Donc c'est parfait, on va déjà les placer. Donc écoutez. Ah oui, on peut les placer comme ça, c'est vrai. On peut les placer librement maintenant. Ah ouais, moi j'avais pas vu ça comme ça moi. Moi je voulais faire ça à l'ancienne. Moi je voulais les placer directement dans le machin quoi, comme avant, on peut pas. C'était bien avant. Mais c'est trop nul. Bon. Je vais placer ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas comme ce que j'imaginais, mais bon. Écoutez, pourquoi pas. Est-ce que j'ai des batteries sur moi directement? Oui, j'ai les batteries, je vais pouvoir les placer. Et de une. Et de deux. Et de 3. Et là ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça on se prend pas la tête. Je prends les fils et je vais relier les 3 batteries entre elles déjà. Comme ça il va y avoir une énergie incroyable. Et là normalement voilà. Là on va avoir une autonomie plutôt pas mal. Les ampoules. Ah non, d'abord il faut que je passe les fils. Alors on va faire l'intérieur en priorité.
Puisqu'on va écouter mettre. Ah oui, on peut pas mettre au milieu, c'est chiant ça. Ça, ça m'embête un peu quoi. Bah, c'est pas grave. Bon, on va tout relier, frérot. On va mettre plusieurs ampoules et puis c'est tout. C'est déjà là. 8 ampoules, parfait. 1, 2, 3, 4. On va essayer de faire un truc pas trop moche. Ce que je veux dire, c'est pas relier les fils n'importe comment. Parce que ça va se voir. Si je fais ça et que je relie. Ah là. Ok, est-ce que ça se voit? C'est bon, ça se voit pas. Et là, je peux allumer. Donc là, c'est alimenté, vous voyez le truc vert. Donc ça s'allumera la nuit. Là, c'est pas alimenté. Donc là, je peux faire ça. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Oh non. Comment je fais pour enlever maintenant cette file? Oh, j'ai trop le seum. Ça, c'est chiant, ça, tu vois. Je viens de poser un fil, j'aurais pas voulu. Ah, c'est bon, parfait. Ouais, alors après je peux relier en faisant un truc débile, mais c'est pas l'idéal. C'est pas ça fait moche si je fais ça. Attendez, je vais essayer. Hein. Bah, ça marche, mais c'est moche. Est-ce que, attendez, est-ce qu'on peut mettre les ampoules sur les fils qui volent? Ah non, dommage, on aurait pu faire des guirlandes, frérot. Bon, c'est pas terrible, hein. Mais pour le moment, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Mais non, mais c'est débile. Autant prendre. Tu vas te calmer. Autant prendre là. Voilà. Eh ben attends. Et relier là. Bah voilà. Non, ça a pas l'air de marcher. Non, ça ne marche même pas même. C'est formidable. Complètement con. Bon, bah je vais relier là-haut encore. Ah, c'est l'électricité et moi, ça fait... Oh non. Oh non, la flemme. Pardonnez-moi, hein. Je fais des erreurs. Je pense qu'il faudrait commencer par là tout de suite. Et comme ça, ça permettra de voir si c'est discret ou pas. Ça ne marche pas. Et pourquoi donc? C'est complètement con. Pourquoi ça marche pas? Ok. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. J'ai réussi à faire pour là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, c'est bon. C'est bon. Bon voilà, hein, on va pas chercher midi 14. Ah, c'est bon, j'ai capté les gars, j'ai capté, regardez. Là. Pas du tout. Je ne comprends pas. Je comprends pas la logique du truc. Ça ne marche pas. J'avais le truc et maintenant ça marche plus, c'est super. Vraiment mettre sur le câble. Ça y est, bah ça marche plus quoi. Qu'est-ce que... Je suis désolé les amis de ce que je vous propose actuellement. Voilà, je regrette un peu. Alors. Voilà, là ça marche. Bon écoutez, c'est moche. Mais c'est comme ça. Et puis pareil, ici on va mettre encore une petite ampoule. Boum, ça éclairera vraiment bien. La petite ficelle, on va la relier du coup bah directement en haut, vous inquiétez pas, ça se verra pas. Si je trouve d'autres solutions, vous inquiétez pas, on fera. Bah écoutez, je vais la mettre pile au-dessus. Ça devrait. Ah non, là ça va se voir. Là normalement ça se verra pas. Voilà, là ça se voit pas, c'est parfait. Ok, bah sinon attendez, je retente un truc. Là, ça va bien marcher là. Je vais la relier là-haut. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu des bruits de pas. Oh putain! Ah oui, bah c'est qu'il y a vraiment des... Ah oui, il y a un bébé, regardez, il y a un bébé là-haut. Il y a un bébé et il va tomber. Donc vous voyez ce que je vous expliquais en début de vidéo? Les monstres tombent. Donc il tombe bel et bien d'en haut, hein, d'accord. Hop, je relis là, ça marche. Eh ben voilà. Au moins j'ai fait un truc plus discret. Eh, c'est bon, j'ai réussi. Ok. Bon, une bonne chose de faite. Du coup, moi ce que je suggérais, c'est de faire tout de suite les meubles. Pendant qu'ils sont en train de s'amuser en haut, hein, bien sûr. On va faire tout de suite les meubles. Alors, oh mon dieu, quel enfer.
Quel enfer, réserve, séchoir à linge, bon, on verra ça après. Là le plus important c'est plutôt les étagères. Donc moi je verrai vraiment des étagères ici. La cheminée, moi je pense qu'on va la faire en extérieur. Vous allez comprendre où je vais en venir. Alors le problème c'est que s'il y a des monstres qui nous tombent dessus, c'est sûr que c'est un peu moins sexy. Mais j'ai une idée. J'ai une idée. Alors est-ce que je peux mettre plusieurs étagères? Ah putain, est-ce que je vais réussir à en caler une troisième? Ah terrible. Terrible. Terrible, surtout que j'arrive pas à l'enlever. Ah c'est pas mal ça. Voilà. Écoutez, on va mettre une étagère ici. Une étagère là. Alors je suis pas sûr mais il y a un bébé qui est juste à côté de moi hein. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Alors je crois que j'ai de la visite hein. Ah voilà. Qui fait plaisir. Et donc là regardez les Ils essayent de venir à moi, mais ils vont dans le mur. Alors ils sont complètement cons. Je vois pas d'autres d'autres possibilités. Et voilà, tous morts. Ah. Non, c'est bon, ils sont tous morts. Oui, en fait, ce que je pensais, c'est que la cheminée, on aurait pu la faire ici, là. C'est super sympa pour faire une cheminée. Mais le problème, c'est que si on nous tombe dessus, ça va être un petit peu moins cosy. Alors, on pourra toujours se faire un petit abri, en vrai. C'est une superbe idée que je viens d'avoir, là. C'est une superbe idée que je viens d'avoir. Par contre, moi, ce que je suggère, parce qu'il y a beaucoup de sticks que je suis en train de perdre... Je vais faire des réserves de bâtons et je vais foutre tous les bâtons dedans. Je vous retrouve juste après, d'accord? Parce que là, il y a du potentiel à perdre. Et ça, ce serait vraiment dommage. Je vais foutre ça là en attendant. Attendez. Non, attendez. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais tout casser. Voilà. Parce que tout ça, ça ne me sert plus à rien. Ça, je vais mettre là-bas. Ok. Impeccable. Je vais mettre mes réserves de bâtons ici. Voilà. Et avec tous les bâtons que j'ai, de toute façon, j'ai de quoi faire. T'inquiète pas, mon pote. Hein, voilà. Je vais tout foutre ici, je vous retrouve juste après les amis, ça va être mortel. Ok, alors tout compte fait, je viens de réfléchir. Donc là, j'ai enlevé pas mal des réserves de bois et de pierre qui étaient là vides. Et j'en ai fait donc des rangements en bâtons. Je suis presque déçu parce que vous voyez, il y a 20 bâtons, si je dis pas de bêtises, dans chaque compartiment. Ça fait 20, 40, 60, 80. Oui, c'est quand même pas mal en vrai, mais ça fait que 4 rangements de bâtons. Je pensais vraiment que j'en aurais plus et que j'allais plus en chier, mais donc tant mieux, donc c'est quand même cool. Alors, tout compte fait, j'ai réfléchi. Déjà, si je mettais la cheminée ici, ça m'embêterait dans le sens où il faut que j'enlève tout ça et ça va être chiant. Mais c'est même pas ça, c'est les bébés qui tombent, les monstres qui tombent, etc. En plus de ça, ça a un autre potentiel, je sais pas encore qu'est-ce qu'on pourrait y faire, mais comme c'est renfermé par au-dessus un peu, vous voyez, ça a un potentiel pour faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais on va faire quelque chose ici. Par contre, quelque chose que je viens de penser, un endroit où je me sens vraiment bien pour manger et boire, c'est ici. Vous savez, j'ai le collecteur d'eau ici. C'est ici que instinctivement j'ai mis mon séchoir, mon petit feu. C'est par ici que je descends. Par contre, là, je verrais vraiment bien du coup la cheminée. Ce serait vraiment une bonne chose. Alors, je profite qu'il n'ait pas encore plu. Comme ça, je peux déplacer les collecteurs d'eau sans aucun problème. En attendant, s'il pleut, de toute façon, je les bougerai pas. Vous inquiétez pas. En attendant, je les mets là. Et je pense qu'ici, ce sera pas mal. Je vais enlever du coup ce petit truc de feu. Je vais le mettre en attendant. Est-ce que c'est possible? Ah. Ah. Ah non. Ah ok, je vais pouvoir le mettre là. Ok, ça c'est déjà pas mal. Et ouais, on va pouvoir mettre notre cheminée ici. Ça peut être vraiment une bonne chose. Alors, je sais plus comment on fait, c'est dans les meubles. Juste ici. Réserve, réserve, réserve. Ah, c'était pas là à mon avis. Ah, cheminée en pierre. Oui, ça peut être vraiment pas mal. Si c'est faisable, oui, ce sera faisable. Bien sûr que ce sera faisable. Regardez. On va faire ça pile en coin comme ça. Là c'est parfait, ça va bien dans la pierre. Vraiment vraiment cool. Il m'en faut 42, bah écoutez messieurs dames, c'est parfait. Ça nous permettra de vider quelques stocks par ici. Très bien, bon c'est chiant qu'on peut faire que... Eh, on n'a pas le time nous, regardez. Attendez, je suis un génie en fait. Je suis un génie, il faut le savoir. Si je relis là et que je relis là. Ah mais ça va pas marcher. Il faut que je fasse comment là. Là. Là ça marche. Eh, je suis un génie du mal. Regardez, si je dis pas trop de conneries, ça devrait être pas mal. Est-ce que ça se fait? Ça marche pas. Je suis un peu déçu mais c'est pas grave. Au moins ça permet de ramener les pierres là-bas. Mais je vais pas te cacher que je suis déçu. Je vais pas te cacher que je suis déçu. Je pensais que ça allait faire automatiquement le truc.
écoutez, c'est pas grave. Donc là, je viens d'en envoyer 9. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de bug et que toutes les pierres soient bien là. Ok. Ah, mais en fait, c'est parce que ça va pas jusque là-bas. Je suis sûr que si j'avais mieux placé la tyrolienne, ça marcherait. Attendez. On est là pour faire des expériences aussi, les amis. Et pour voir des techniques de rentabilisation. Donc, on va faire en sorte... Pourquoi ça s'arrête? À cause du plancher? À cause de... Pourquoi ça s'arrête? À cause de ça, peut-être? Je ne sais pas. Attendez. Il faut qu'on trouve une technique de rentabilisation, messieurs, dames. Je suis monsieur rentabilité, voilà. Attendez, je vais peut-être mettre la tyrolienne un peu plus haut. Et plus à gauche. Comme ça. Ah oui, là. Et plus haut, là aussi. Ah là, normalement, il n'y a rien qui va l'arrêter. Hein. On va voir. Donc là, il me faut 30 rochers, d'accord? Attention, regardez bien. Ça marche pas. Dommage. Dommage, dommage. Écoutez, fallait essayer, les amis. Hein. Allez, je vous fais la cheminée. On va être vraiment bien. Par contre, j'espère que ça tombe pas dans le vide. Là, les... Normalement, non, mais. Oh non. Oh non. Oh, j'ai trop le seum. Bon, bah, big up. Hein. Je viens de perdre. Je viens de perdre pas mal de rochers. En fait, je viens de perdre la totalité des rochers, en fait. Concrètement. D'accord. Eh ben, c'est superbe. C'est superbe. Allez, je fais le rocher. Je vous dis à tout de suite. Enfin, je fais le rocher, n'importe quoi. Je fais la cheminée. Et boum! Et voilà, notre cheminée est faite. Notre cheminée rend super bien ici en plus, avec le séchoir à côté, les collecteurs d'eau qui vont bien faire le taf. Est-ce que je peux pas un petit peu déplacer maintenant, j'en profite, le séchoir parce que bah, y a plus de viande dessus malheureusement. Je viens de terminer le dernier bout de viande. Je peux même pas le déplacer, frère, c'est quoi cette histoire? Ah, ça y est. Bien, histoire de le déplacer de manière un peu plus sympa. Ça vole là, non? Non, ça vole pas, j'avais cru que ça volait. Parfait, on est d'accord, j'ai plus de nourriture à accrocher, hein. Oh! Oh, c'est Virginia qui me l'avait offert tout à l'heure. Ok. Bon, bien sûr, la jambe, on n'en veut pas. On va l'acheter d'ailleurs de ce pas. Elle est où la jambe? Putain, à chaque fois, je sais jamais où sont les trucs dégueulasses. Bon, je sais pas où est la jambe, les amis. Mais je n'en veux pas. D'accord? C'est hors de question. Bon, voilà. Va falloir qu'on refasse un feu également. Il me semble que j'ai plus de bois non plus. Voilà. Hop, on va directement faire le feu. Bon, pour ce qui est du bois de chauffage, les amis, on en refera, hein, c'est pas un problème. Il y a un stock là-haut, mais je vais pas m'amuser à tout déplacer, franchement. On a déjà de quoi faire. On va s'allumer le petit feu. Et je me demande, je pense que s'il pleut, le feu sera à l'abri, là. Hein. Ça, enfin, en vrai, non, mais je pense que si, un peu, quand même. Ça peut être plutôt pas mal. Bon, bah, d'ailleurs, en parlant de bois de chauffage, de toute façon, les copains, hein, on va pas y aller par quatre chemins. Ah, j'ai plus ma hache. J'ai plus ma hache dans les raccourcis, ça va pas du tout. Voilà. Là maintenant je l'ai. Hop. Voilà, là je... Comment on fait de nouveau? On fait comme ça. Et ensuite on fait comme ça. Voilà, et tu restes ici et ça fait du bois de chauffage. C'est ça. Magnifique. Incroyable. Hop. Reste ici. Voilà, et on va placer, écoutez, le bois de chauffage juste à côté ici, ça me paraît vraiment pas mal. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut faire. C'est ça. Oh là, je sens que ça va être buggé, MDR. On va bien voir. Reste ici, toi. Reste ici. Non, reste ici. C'est pas vrai, hein. Le problème de construire sur un terrain en pente, c'est ça, mais bon. Ok. Raboule. Oh, ça tire encore, ça tire encore. Et j'en ai encore ici. Comme ça, au moins, on a déjà un petit stock. Hein. C'est toujours sympa. Et voilà. Et on a un feu bonus ici pour le moment. Mais je l'enlèverai, je pense, à un moment donné. Ok, donc ça c'est fait. Là, on verra ce qu'on fera. Là, du coup, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais c'est pas grave. On fera, je pense, ici, bah, en fait, un jardin. Ça me paraît vraiment pas mal. Et tu sais quoi, les collecteurs d'eau, je les verrais bien là. Ça me paraît cohérent de mettre de l'eau avec les jardins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est possible au moins? Pourquoi je peux pas? Je peux pas construire ici?
que c'est que cette histoire? Attendez, moi je vais construire ici moi. Utilitaire. Jardin sur pied, pourquoi je peux pas mettre du jardin? Comment ça mon ref? J'ai trop nul. On peut rien faire. Mais c'est trop nul. Est-ce qu'il y a un truc qui dérange? Non, c'est juste parce que c'est en pente. Ah, c'est chiant. Là, je peux ou pas? Ah, on peut rien faire. Oh. Ah ouais. Par contre, je pensais pas que j'allais être autant limité que ça. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse comme ça. Comme ça. Bon, du coup, ça, ça dégage. On va vraiment faire sur la même hauteur des jardinières murales. Alors ça par contre c'est mal jaugé de ma part. C'est un petit épisode chill, hein, je vous l'ai dit les amis aujourd'hui. Comme ça. Lui je l'enlève, on va faire des petits espacements du coup. On pourra le mettre plus bas, plus haut. Ah oui, on pourrait le mettre un peu plus bas comme ça. Ah ouais. Faites pas mal. Alors ça change rien au fait que c'est quand même vachement fade. Mais on va voir pour mettre des lumières, des trucs comme ça. Ou des portes... Oh oui, attendez. Attendez. Regardez-moi ça, les amis. Tac, tac, tac. Bon, on peut mettre des épouvantails, bien sûr. Sentier en bois, étagère murale, râtelier d'armure. C'était pas... Voilà, monture de trophée de tête. Regardez, juste ici. Eh. Juste là, messieurs, dames. C'est dégueulasse. En plus c'était la tête de cerf que je voulais mettre, mais elle est encore en haut. Enfin la tête de cerf, la tête d'élan. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, on va faire ça tout de suite. Tout ce qu'on peut faire, de toute façon on a les bâtons, donc c'est absolument parfait. Voilà, on peut en transporter jusqu'à 20. Heureusement la mise à jour de la semaine prochaine va nous permettre de transporter plus de bâtons MDR. Ce serait vraiment bien. Voilà, et là on va pouvoir mettre les graines qu'on a. Donc on a quoi? Bête saumon. Aloe! On a de l'aloe vera. Let's go. Eh, je mise tout sur l'aloe vera les gars. J'en ai deux donc hop là. Très important. Pour une fois qu'on a de l'aloe vera les gars, magnifique. C'est avec quoi qu'il faut faire pour faire un cocktail? Attendez. J'ai de l'aloe vera là ou pas? Aloe vera. Combiné. Cocktail de santé, c'est avec deux autres trucs. Mais je sais pas c'est quoi. Chamerion. Ok, chamerion. Ça, ça change rien. Ah merde, je sais pas c'est quoi ce qu'il faut. Mais déjà, il faut chamerion. Pour faire un cocktail de santé, il faut aloe vera et chamerion. Donc les gars, il faut qu'on trouve les graines de chamerion. J'ai pas. Superbe. Bon bah on va mettre des myrtilles. J'ai trop le seum. Voilà, donc ce qu'on va pouvoir faire aussi, comment ça j'ai autant de lances artisanales, je ne sais pas. Les meubles, voilà, torche murale. Tu vois, ça peut être plutôt sympa. Vous voyez, le fait qu'il n'y a plus de fenêtres, d'un coup ça va devenir un peu moins bizarre. Ah oui, ça va rendre déjà beaucoup plus intéressant quand même. Et en plus c'est dans la pierre, donc c'est pas censé prendre feu, c'est juste parfait. Alors faut peut-être pas non plus trop en faire. Mais quand même. Alors en plus c'est même pas à la même hauteur. Toujours pas. Ça y est, ça me stresse. Voilà. Là c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça s'allume dedans? Non, il faut que je fasse moi-même. Ok. Bah j'allume. Nice. Donc là les meubles en bois, ouais je pense qu'on va faire comme ça. Après bon, donc là on a une fenêtre. La table. Ah ouais non mais là ça va être petit. Comme j'ai dit, on va pouvoir faire des cabanes dans les arbres. C'est vraiment pas un problème. On va pouvoir tout agrémenter. Ah là j'ai un doute. Ici je mettrais bien un truc dans le coin là. Soit une table soit un meuble. Donc bon là la table, oui, ça ferait vraiment con là. Merde. Oh putain. Attends, c'est pas grave. Ah, est-ce que je peux utiliser Oh oui. Parce que les meubles c'est quand même plus important, si je puis me permettre, que la table. Donc ok. Let's go. Et là ça.
Non, je peux pas. Trop le seum. Trop le seum. Donc ouais, peut-être que je verrai bien ce que je peux te prendre. Oh non. Oh j'ai... Putain, j'ai trop le seum. Et je suis sûr que j'ai plus la graine d'aloe. Et voilà, je viens de perdre ma graine d'aloe quoi. Superbe. Attention à ce que vous faites les amis. Voilà, je viens de me faire arnaquer. Putain, j'ai trop le seum. Oh, je suis dégoûté. Moi, tout ce que je veux, c'est ce meuble en bois là. Ça y est, j'arrive à le prendre. Ouais, peut-être ici. Ah, ben là, comme ça, attendez. Oh. Voilà quelque chose d'intelligent, M.Colo. Magnifique. C'est quand même plus intelligent. Alors lui, on va l'enlever. Parce que là, on pourra toujours mettre des étagères murales. Regardez bien, étagères murales. Comme ça. Comme ça. Et encore là, je risque de me prendre la tête sur celle du bas. Donc je vais plutôt la mettre ici. Oh ouais. Eh, des fois j'ai des idées quand même. Des fois j'ai des bonnes idées. Est-ce que ça marche du coup là? Ça devrait marcher, mais il me faut des bâtons encore. Il me refaut des bâtons. Bon, il fait nuit. Les panneaux solaires, les batteries ont l'air de fonctionner encore. Donc c'est parfait. C'est juste parfait. Donc je suis assez satisfait. Hop. Hop, dis-moi que ça marche. Oui, ça marche. Et voilà le travail. Donc là, on pourra déjà stocker beaucoup de choses. Du coup, tu vois, j'aime bien mettre une étagère murale à chaque fenêtre, en vrai. En vrai, de vrai, c'est pas une bonne idée de faire ça. Bon, là, non, mais ici, là, c'est une bonne idée. Là, il me refaut des lumières encore. Parce que là on voit rien. Là on voit rien. Ah bah là je pense que ce sera alimenté en plus. Là c'est parfait. Ouais. Let's go. Non, ça va être... Alors le truc c'est que c'est cosy. Mais le bruit de l'électricité. Horrible. Horrible. Et là on pourra mettre une table etc. Non si en vrai ça va être ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. J'ai soif. Hop. Ok. Bon, ça c'est pas mal. J'ai perdu une graine d'aloe vera, mais bon. Hein, voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Après, il faut juste que ce soit quand même vivable, hein, c'est tout. Moi, ça me convient parfaitement. Je suis prêt pour les prochaines mises à jour, comme ça, tu vois. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. Voilà. On va save. Par contre, j'ai faim et j'ai pas préparé à manger. Je suis débile. Oui, 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 t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sois patient un petit peu. On va encore boire. Parfait. On va attendre que ça chauffe. On va manger. On va poser la casserole sur un des meubles que j'ai déjà pu positionner. Comme ça, je pourrais prendre l'autre casserole d'en haut. On va pouvoir amener quelques affaires. Et ce sera plutôt, plutôt pas mal. Allez, tiens le coup là, on va bientôt manger. Allez. C'est lent. Parfait. Régale-toi. Bon, je vais mettre la casserole ici pour le moment. Ah, ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien. Elle est où la casserole? Là. Très bien. Ok, bien, les râteliers d'armure pour pas que j'oublie aussi, excusez-moi. Hein. Cabane d'arbre, attendez. Ah oui, donc les cabanes d'arbre, on en a une ou deux. Par contre, ça demande... Ça demande beaucoup de rondins quand même. Ah ouais, c'est chaud. Je sais même pas laquelle je préférais. Attendez, regardons quand même. Sur ce pauvre arbre là. Déjà je peux pas le mettre. Il veut pas que je le mette ici. Là il veut bien, mais là il veut pas, donc ça tombe bien. Là c'est toujours sympa. Là c'est sympa. Et l'autre? L'autre il est plus enfermé. L'autre il est quand même plus enfermé. Je sais même pas lequel je préférerais les gars.
Bon là de toute façon ici c'est trop proche. Et encore non, c'est même pas trop proche de la maison. Au contraire, ça permet de faire des stockages, tu vois. Mais autant en profiter. Ah, on pourrait en mettre on peut pas mettre plus haut. Terrible. Ouais, autant mettre une cabane quand même plus loin quoi. Genre là par exemple. Ça peut être une idée. Bon, peut-être un peu trop proche du sol. Moi j'aime bien cette cabane là. Moi je préfère cette cabane là quand même. Mais elle demande beaucoup plus de ressources. Ouais voilà, là ici c'est pas mal parce que... Ouais mais il n'y a pas moyen de faire notre accès pour la tyrolienne. Ah, je suis pas fan des cabanes là les gars. Faut que je réfléchisse. Faut réfléchir. Ou alors, ouais, faut prendre cette cabane là malheureusement. Sur la vue. Vers là-bas. Là ça passe crème là. Là ça passe crème. Ouais. Là ça peut être pas mal, faut voir. Écoutez, je laisse là pour le moment en suspens, on verra bien par la suite. Comme dit, je toucherai aucunement aux arbres ici. Vraiment, les seuls arbres que je vais déforester seront en haut. Donc voilà. Ok, bon. Oh, des sticks, sympa ça. On va aller quand même retrouver, voir Kelvin et Virginia, même s'ils vont nous accompagner pour la suite des aventures, notamment aux prochaines mises à jour. Mais là pour le moment, c'est vrai que c'est assez chill. Utilitaire. Épouvantail, nichoir, faudra qu'on mette un nichoir aussi bien sûr. Ça c'est les pièges, mais où c'est qu'il y a les râteliers d'armes? Râtelier d'armure, voilà. Bah écoutez, pour le moment, bon le lit il est là, hein, donc c'est pas... On va faire là comme ça. Ah non, mais il faudrait plutôt faire ça à l'entrée. Genre là, comme ça. Déjà on sait qu'il y a trois types d'armure, donc et de 1 et de 2. Déjà je peux pas en mettre 3. C'est con hein. Ça c'est con. Bon bah on va mettre ça là du coup. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà, donc là il y aura les 3 types d'armure qu'on a pour le moment dans le jeu. D'accord. Là on va pouvoir enlever. Ok. Parfait. Et on va remonter du coup maintenant. On va remonter, j'ai bien mis la marmite, c'est parfait. Ah oui, mais là j'ai pas d'accès. C'est vrai que je me suis pas fait vraiment d'accès pour monter. Ça ne serait tardé. Et voilà. Ok. Oh, il y a mes deux copains, bonjour. Je vous ai manqué? Ah ouais. Vous avez fait un carnage ici. Vous avez fait un carnage. Ça va Virginia? Je lui ai fait aussi changer son vêtement. Voilà, j'ai mis un petit survêt. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. Je préfère ça. Oh, regardez, elle est contente. Ça, c'est aussi des nouvelles animations maintenant. Ça, c'est la meilleure. Bon, la meilleure, c'est celle de base. Mais bon, t'as compris. Ouais. Ok. Donc, bon. On a quand même pas mal de choses à récupérer. On a des bûches en stand-by. Ça, c'est pas mal. Bon, les pièges, on va les laisser. Ouais, on va surtout récupérer tous les stockages. Écoutez, je vais faire des allers-retours et je vous retrouve dès que tout sera bon. Parce que là, je pense qu'on va... Enfin, je pense que je vais bien m'amuser. Ouais, voilà. C'est bien ce que j'imaginais. Je vais m'éclater. Non, en vrai, ça va aller. C'est juste deux... Allez, deux, trois allers-retours grand max. Je pense. Ouais, je pense. Allez, à tout... Ouais, si, ça va aller, en fait. A tout de suite. Ah oui d'accord. Oh non. Oh non Virginia. Virginia, oh non Virginia, mon dieu. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore?
Eh, là, je commence à me poser des questions, les amis. En vrai, de vrai, bon, voilà. La pauvre. Ici, en vrai, on pourrait carrément faire un escalier. Un escalier géant. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin non, du coup ce serait con parce que là on n'arriverait pas en haut. Genre là on arrive ici là, mais en haut on n'arrivera pas. Oui non, laissez tomber, c'est une idée à la con. Je sais pas si vous aviez imaginé ce que... Oh, oh non. Ah ouais, ça craint de ouf. Ça craint de ouf. Alors ça... Oh. Alors attendez, vous m'aviez dit qu'avec la croix ça marchait. Oh oui, ça marche. Mais c'est que ça marche. Vous aviez raison. Ah oui, ça les one shot. Ok. Donc t'as juste à montrer la croix et ça les brûle. Ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment chouette. J'avais jamais osé le faire. Par contre, ça marche que sur eux. Hein. Genre ça marche pas ça. Hein. Sur ce truc là, je suis dans la merde. Oh my god. Comment je vais faire? Wesh! Dégage! Il est fou lui. Bon. J'essaye hein, avec mon katana cheaté. Oh non. Oh 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 oh. Attends, en vrai, mon katana il est incroyable. Oh non. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Putain, il me met sa race là. Ok. Alors là mon pote, fallait pas jouer là. Fallait pas jouer mon pote. Alors là mon pote, il va trop vite. Il va beaucoup trop vite. Maintenant. Ah ouais, d'accord. Bah voilà. Bon, ça ça fonctionne encore, j'ai pas tout cassé, c'est bon. Oh merde. Ce que je viens de faire. Incroyable. Bon, ça nous fait encore des trucs à dépecer. On va jamais s'en sortir. Oh purée. Eh, c'est mortel quand même hein. C'est quand même mortel. Bon, j'ai des trucs à récupérer. Tac tac tac. Tac tac tac. Ça va Calvin? Plus de peur que de mal. Ok. Normalement je récupère tout là, ça devrait pas poser problème. J'ai super bien organisé mes rangements en bas. Alors attends. Oh là je suis full, tu sais quoi, rien à péter. Et je vais même manger, tu sais quoi. Ça c'est le dernier truc que j'ai en trop. Hop, je mange. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. La casserole. Elle est où la casserole? J'avais pas une deuxième casserole? Ah, je crois que j'avais... J'ai perdu une deuxième casserole ou quoi? Trop bizarre. J'ai pas de deuxième casserole. Bon, j'avais cru que j'avais une deuxième casserole. Bah c'est pas grave. Comment je vais faire moi? Bah je vais boire l'eau, tant pis. Pas le choix. Quand on a soif, il faut des fois faire des sacrifices. Ok, je récupère encore là ce qui a dû respawn, c'est toujours parfait. Ah là là. Bon là c'est des stockages. Je peux quand même récupérer ça. Donc les meubles on s'en fout pour le moment. Les plumes on s'en fout, ça je peux quand même récupérer. Attends, est-ce que je peux casser ça ou pas? Reste ici toi. Voilà, c'est ça que je veux. Parfait, comme ça j'ai pas besoin de le reconstruire. C'est toujours ça de... Toujours ça de prix. Et ça se passe plutôt bien en vrai hein. Ça se passe plutôt bien. Alors c'est par là qu'on descend. Ok, je vais mettre le nid ici. Ça me paraît vraiment pas trop mal. Comme ça je pourrais récupérer les plumes. Regardez-moi ces rangements. Hop, voilà, il y a juste encore ça que j'avais pas géré, voilà. Et comme ça, j'ai plus qu'à spammer. Voilà, ils ont chacun leur, leur place. En bas, c'est les conserves, hein, vous l'aurez compris, c'est toujours bien de mettre les conserves en bas. Les médocs.
Mais attends, quelque chose me dit que je suis full. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Vous voyez, il faut que je refasse des emplacements à chaque fois prédéfinis pour eux. Comme là, les trucs de riz, j'en ai énormément. Voilà, les sneakers aussi, les conserves, je crois. Non, il me reste plus de conserves, c'est parfait. Ah, j'ai encore du riz qui traîne, les ramène, mais je vais garder. Bah non, je vais les mettre. Si déjà, les gars. Si déjà, je vais tout mettre. Hop. Et voilà. Allez. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je récupère les bâtons. Ouais, Virginie, elle me fait de la peine là-haut. Elle me fait de la peine. On va faire les râteliers d'armes parce que j'ai de l'armure à disposer là. Ah. Quoi? Oh, c'est chiant. Oh, c'est pas facile. Hein. Oh, c'est si mal fait. J'arrive pas à sélectionner. Oh, va te faire foutre. On va mettre l'armure effrayante déjà pour commencer. J'aurais pu mettre l'armure en os, mais on va mettre l'armure effrayante. Ce sera celle la plus appropriée. Ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre l'armure de cuir et l'armure d'os. Si le jeu voulait bien me laisser faire ce truc de merde. Ah ouais, c'est phénoménal. Bref, voilà les amis. Donc un épisode un petit peu plus chill. Là maintenant que vous avez vraiment l'image du truc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous approuvez, si vous approuvez pas. Si vous avez d'autres idées. Vraiment, je suis preneur. Vraiment, voilà, on a essayé des trucs. En bas, oh, il y a de la place ici là pour faire quelque chose. Bon, peut-être pas trop de dinguerie non plus. Ah, je peux récupérer ces bûches là. Bref. Dites-moi les amis, je compte sur vous. Maximum de likes. Et à très vite pour le prochain épisode. Je sais pas s'il y aura un prochain épisode samedi du coup. Mais en tout cas, je vous ai sorti cette vidéo mercredi. J'espère que ça vous fait plaisir. Plein de bisous, c'était Mkolo. Et bientôt l'hiver du coup. Ciao tout le monde.